Hey, salut les Simrasseurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale et un peu déçue car comme vous le savez, j'avais été invité au Sim Formula Europe, donc un Sim Expo qui se trouve aux Pays-Bas. Donc je me suis dit bah comme ça quelques heures de chez moi, bah, pourquoi pas y aller. Et j'avais été invité par simwire.eu. Donc je tenais encore à dire un grand merci à toi mais dans cette bonne aventure, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui arrive. voilà. J'ai voulu filmer en 4K avec mes téléphones. Et je ne voulais pas prendre l'appareil photo car je ne le connais pas encore assez bien. Du coup, j'ai voulu filmer en 4K avec mes téléphones. Et je n'aurais jamais dû car euh, la plupart des fichiers sont erronés. Et le restant des données, mais j'ai l'impression que je tourne en 5 FPS. Ça s'accade à mort. Donc, euh, impossible pour moi de vous faire cette belle vidéo. En tout cas, j'ai eu pas mal d'interviews. De la part de Haut Rouge, Venim et même Simweir. Du coup, je pensais quand même vous faire cette petite vidéo. Donc, on va essayer d'incruster des images de ma journée, en tout cas là-bas. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé la journée, euh, bah, toute la journée le vendredi. Euh, donc, avant le grand week-end, parce que je me suis dit, comme ça, il y aurait un peu moins de monde. Donc, tout d'abord, c'est quoi le Sim Formula Europe Donc, c'est un petit salon automobile. Et en même temps, ben, il y a un petit Sim Expo. Donc, il y avait quand même 2-3 marques. Il devrait en avoir plus. Mais le problème, c'est que normalement, à la base, ça devait être prévu pour le mois de septembre. Ils l'ont reculé pour le mois de novembre. Et après, ils l'ont reculé pour, évidemment, ce mois de janvier. Donc, euh, la plupart des marques n'étaient pas là. Il manquait Azetek. il manquait Ussil volt Et il en manquait encore bien d'autres. Donc, euh, voilà. Je trouve ça un peu malheureux. Donc, pour les grosses marques sur place, il y avait euh, évidemment SimWear.eu, Digitrax, il y avait Venim, il y avait Eau Rouge et il y avait Tragrasseur. Donc on va essayer d'en parler un peu des produits que j'ai vus sur place. Euh, j'ai essayé de vous expliquer un peu les interviews que j'ai pu avoir. Malheureusement, qui sont erronées, je suis vraiment dégoûté. Donc le tout premier, c'est simwear.u, qu'on avait été invité dans leur stand, qui était bien sympathique en tout cas. Donc dans leur stand, on peut découvrir évidemment l'étagère complète de Sim Magic, de A à Z. Donc on avait les bases, les volants, les pédaliers, les shifters, enfin vraiment la totale. Et de l'autre côté, on avait une petite étagère évidemment de Aztec Simsport, vu qu'il évidemment sur son shop, il en vend. Évidemment, dans son stand, on a pu tester le Alpha Ultimate. Bon, je l'ai ici à la maison, mais voilà, c'était ce qu'il y avait sur place avec un, un volant euh, Sim Magic. On avait le pédalier P2000, euh, vraiment l'écosystème complet Sim Magic. Et en plus, pour celui qui n'avait pas encore testé leur fameux shifter, ben voilà, il était à la disposition. Donc, nous, on a profité de cela. Donc, euh, on a fait quand même deux, trois petits tours. Hein. Évidemment, j'étais accompagné de Loïc, qui, lui, s'est régalé comme jamais. Et ensuite, nous avons parlé avec le gérant de Simweer.eu qui n'est d'autre que Manu. Comme ça, vous avez, voilà, un petit visage sur le nom. Euh, franchement, qui est super sympathique, qui dégage vraiment une bonne humeur, mais incroyable. Et en tout cas, sur place, je lui ai dit un énorme merci. Euh, évidemment pour les fameux concours car sans Simweer.eu, bah, il n'y aura pas de concours donc voilà avec Simweer.eu. après ensuite nous avons été juste à côté il y avait aussi un stand à sa possession car c'est aussi le gérant de Digitrax du coup Digitrax c'est quoi c'est tout simplement un centre de simulateurs donc qui se trouve en belgique pas loin de Bruxelles donc ça, j'avais déjà fait quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube avec Digitrax. Donc je vous avais dit que j'allais aller bientôt faire un live directement sur place pour euh, voilà, vous montrer, pour vous poser des questions, je vous répondrai. Parce que franchement, ce centre de simulateur est vraiment incroyable. Alors ensuite, à côté de lui, il y avait un de set setup de malade, les gars. Donc c'est Referox. Et franchement, c'était un setup de fou. Donc euh, il faut les scanner avec son QR code. Et euh, s'inscrire et attendre son tour. Une fois qu'on a fait, bah... Euh, ben la file d'attente euh, on passait directement euh, au simulateur et c'était sur Imola avec une monoplace euh, style F1 euh, honnêtement j'étais très très surpris euh, par, euh, par les mouvements euh, honnêtement euh, ça se couait à l'intérieur j'étais bon bomb dans tous les côtés et on a fait un petit chrono qui nous a pris bah, la septième position hein, comme on peut voir en tout cas, un très bon plaisir d'avoir piloté ce genre de simulateur. Donc je pense que la personne m'avait dit que ça coûtait 47 000 euros le simulateur complet. Donc waouh. Wow. Du coup, ça m'a fait super plaisir d'avoir testé euh, ben, ce simulateur. Ensuite, on est rentré évidemment dans un stand assez spécial que tout le monde connaît. Donc Venim. Euh, donc on a été accueilli par euh, Virgile. Donc encore un grand merci à toi en tout cas pour ton accueil. Euh, on a été accueilli euh, vraiment euh, comme jamais. Euh, très sympathique, toujours dans la bonne humeur. Donc, quand on rentre, on peut apercevoir évidemment la pile de pédaliers. Donc, euh, moi, c'est toujours celui qui me fait fasciner, c'est celui en full carbone. Et ensuite, bah, ça, on peut pas le louper, hein, cette fameuse euh, F3 en plein milieu de la pièce. Euh, honnêtement, toujours aussi magique de la voix. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, j'ai vraiment jeté un petit coup d'œil à l'intérieur, le volant. Enfin voilà, j'ai vraiment décortiqué cette voiture de, de l'avant à l'arrière, comme on pourrait dire. Et une fois qu'on rentre évidemment dans le stand Venim, on aperçoit trois simulateurs de la marque. Sector One, donc c'est tout nouveau. Euh, je pense que c'est en partenariat avec Venim. Donc euh, ça promet de belles choses. Mais bon après les prix sont quand même ouf parce que celui qui est au mieux, qui est un dynamique, il est plus ou moins à 30 000 euros. Mais personnellement, on était super bien dedans. Euh, honnêtement, on peut choisir tout ce qu'on veut, la couleur, euh, euh, les logos, on peut choisir euh, le siège, euh, le tissu, euh, si on veut des coutures, euh, enfin voilà, vraiment la totale les gars. Ensuite, sur le châssis, ben, on peut découvrir évidemment la marque Véné en pédalier. Il voilà. euh, y en avait un de 60 kg et les deux autres étaient à 200 kg. Donc, on a pu euh, vraiment euh, switcher euh, pour voir lequel qui était le mieux avec différents réglages. Ensuite, sur le châssis, il y avait des bases semi-cubes. Il y avait un Sport et il y avait deux pros. Donc, euh, bon, voilà. ça m'a permis encore une fois de, de tester cette base qui y aura bientôt chez H-Dynastie. Bientôt, bientôt tch, tch, tch. Mais voilà, ça m'a permis quand même de tester un petit peu plus cette base qui était super bien réglée car c'était les réglages de Virgile. Donc euh, voilà, euh, réglé aux petits oignons. Et ensuite, sur les setups, il y avait évidemment les volants P1 SIM. Donc il y avait le tout nouveau volant armage. Euh, de chez P1 Sim et évidemment deux volants de haut rouge, évidemment toujours de P1 Sim, euh, qui sont vraiment magnifiques, honnêtement euh, de très très bonne qualité. Donc euh, nous avons un écran euh, style euh, comme un téléphone en vertical à la place d'avoir en, euh, en horizontal. Donc c'est assez spécial mais honnêtement ça donne son look. Donc euh, je pense que c'est à 28 ou 29 cm de diamètre. Euh, la prise en main elle est juste incroyable. Donc euh, franchement j'ai été vraiment surpris par ce volant. Et ensuite, nous avons bah, les deux hauts rouges, que ça, je le connaissais déjà. Euh, J'avais déjà testé, évidemment. Je n'ai jamais eu à la maison en test, mais voilà. Peut-être dans le futur, on verra. Du coup, ce qui avait été dit, c'est qu'il bah, y a des futurs projets chez Venom, euh, vraiment de la marque Venom même. Euh, donc, ils vont sortir des nouveaux produits Simracing. Je ne vais pas vous en dire plus. Euh, voilà, ça tombe bien. Ainsi comme ça, je garde la petite surprise euh, au moment venu. Mais croyez-moi, ça va être du feu ce qu'ils vont sortir. En tout cas, ils ont beaucoup de travail. Mais euh, s'ils arrivent à faire ça, honnêtement, ça va être le feu. Mais vous ne savez même pas comment. Alors aussi dans l'interview, bah, on avait été invité à voir euh, l'entreprise Venim. Donc euh, ça va nous permettre de voir euh, comment fonctionne l'entreprise. Montage euh, du pédalier, la conception, euh, le marketing. Euh. Et comme vous le savez bien, bah, Venim est avec euh, Migal. Donc euh, c'est la même société. Donc Migal c'est quoi C'est tout simplement une entreprise qui fabrique euh, les cockpits des F3 F4. Donc euh, voilà, il y a un fameux garage et c'est directement sur le circuit de Manicourt donc euh, voilà, on a été invité honnêtement, je pense que je vais y aller même s'il si y a 7 heures de route, s'il faut prendre un hôtel, bon, il y aura sûrement un gros budget à sortir mais on va y aller euh, juste pour vous déjà et faire une belle euh, vidéo euh, pour YouTube. Ensuite, on va rejoindre un autre stand qui est Au Rouge. Donc Au euh, Rouge c'est une société belge. Donc ça me fait vraiment plaisir de représenter cette société belge. Euh, voilà, qui, euh, je parlais depuis euh, maintenant des nombreux mois pour euh, évidemment faire des tests de leurs euh, produits Sim Racing. Et là, ça tombait bien. Voilà, ils étaient au Sim Formula, donc euh, j'étais là. Donc on a discuté pendant des longues heures. Euh, voilà, je pense que c'est là où je suis resté plus longtemps. Et chez Venim aussi, je suis resté vachement longtemps. Donc chez Eau Rouge, en premier temps, on pouvait découvrir leur nouveau siège, le col Fusion. Donc, euh, ce siège vous permet euh, d'avoir euh, ben de l'air directement dans le siège quand il fait chaud ou quoi. Donc, je pense qu'on a quatre ventilations directement dans la coque qui nous, évidemment, diffusent de l'air directement dans notre dos. Euh, voilà, on a pu s'asseoir, le tester, honnêtement, c'était vraiment fun. Donc ça j'espère honnêtement que j'en aurai un plus tard parce que je devais en avoir un et ça c'est parfait pour finir. Euh, du coup là j'espère vraiment d'en avoir un pour évidemment le tester ici avec vous. Car honnêtement je suis resté mais vraiment bluffé par la technologie du siège. Ensuite on a pu découvrir évidemment les châssis différents de chez Eau Rouge. Donc il y en avait un qui c'était du karting et celui-là je le trouve vraiment très très intéressant pour peut-être vous qui faites du karting, faire des entraînements ben chez vous quand il n'y a pas la saison du karting ou quoi. Mais honnêtement, je trouve l'idée dément. Euh, honnêtement, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, nous avons à côté un autre châssis, mais style rallye. Et alors là, les amis, la bouton de box, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc pour les pros qui roulent au rallye, bah honnêtement, là, c'était vraiment le setup de dingue. Car là, honnêtement, avec ce setup, je pense que dans le milieu du rallye, vous allez prendre un kiff énorme. Et ensuite, à côté, nous avons le châssis dynamique LMP. Donc, euh, honnêtement, waouh, bluffé par ce châssis. Et comme vous le voyez, il est un peu plus large. C'est pour vous donner une euh, meilleure immersion euh, avec euh, les dynamiques. Et alors, ce volant. Ah comment dire Bon ça fait mal hein 3000 euros euh, c'est sûr ça fait vraiment mal mais qu'est ce qu'il est beau bordel C'est bien un des volants qui me ferait vraiment kiffer de ouf quand je roulerais en l'MP2 par exemple car honnêtement je le trouve juste magnifique ce volant mais bon après le prix fait mal un peu au portefeuille et ensuite on retrouve leur fameux volant qui est quand même pas mal dans l'ensemble euh, je veux dire niveau euh, boutons à l'arrière les palettes euh, euh, non, j'ai été vraiment bluffé. L'écran, il est pas mal non plus. Donc, euh, après, ça peut être bizarre par rapport à l'aspect. Donc, voilà, vous êtes vraiment libre d'en penser ce que vous voulez. Mais moi, honnêtement, j'aimerais bien l'avoir en test une fois à la maison pour voir ce que ça vaut vraiment ce nouveau volant qui a l'air pas si mal dans l'ensemble. Et ensuite, sur le châssis, j'ai vu euh, un pédalier que je ne connaissais pas c'est Simstrek. Euh, c'est le pro gt je pense il est à 1300 euros ce pédalier mais honnêtement c'est de la qualité mais à l'état pur alors j'ai eu la gentillesse de voir euh, la boîte donc euh, je vous fais l'ouverture juste pour vous pour vous montrer mais vraiment que voilà rien qu'à l'ouverture de la boîte on voit que c'est de la qualité et euh, honnêtement j'ai été très très bluffé par ce pédalier que honnêtement oh, wow donc un magnifique pédalier qui est quand même assez bien performant j'étais très très surpris euh, dans le jeu euh, la réactivité du pédalier etc. Honnêtement, vraiment, vraiment sympathique. Donc voilà, je tenais à dire en tout cas un grand merci à Rouge de nous avoir accueillis comme ceci. Encore désolé que je n'ai pas su euh, récupérer évidemment le fichier de l'interview qui est erroné encore une fois. Ce sera pour une prochaine. J'espère que euh, voilà, Rouge se fera entente sur ma chaîne YouTube. Euh, je pense que oui. Alors le dernier stand, c'est tout simplement Tragrasseur qu'ils ont mis vraiment euh, la barre très haute. Et il y avait une F1 dans la pièce, les amis. Je, voilà, je rigole pas, il y avait vraiment une F1. Il y avait une Alpine. Bon, certes, c'est à mon avis, c'est une année, je pense, euh, euh, 2016-2017. Mais soit, ils l'ont rhabillée en Alpine et elle était là. C'était incroyable. Et en plus de cela, nous avons des setups de partout. Il y avait même un simulateur de vol. Euh, honnêtement, moi, j'aime. Jamais... Un petit peu faire quand même de la simulation de vol de temps en temps. Euh, que je trouvais très sympathique. qui proposait aussi euh, cette gamme là. Donc on a pu aussi découvrir hein, des volants, euh, des accessoires. Euh. Et du coup on a pu apercevoir leur nouveau cockpit de chez Track Racer. Donc le cockpit TRX Alpine. Donc d'une valeur de 1600 euros les gars. Mmh, ouais ça fait encore mal le portefeuille. Du coup ce qui est bien avec ce setup c'est qu'il est multifonction. Donc, si maintenant vous faites de la GT, on peut le mettre en mode GT. Donc, le siège et le pédalier. Aussi la basse. Et si maintenant vous voulez faire un peu des fins, ben, tout simplement, le pédalier le permet. Votre siège le permet. Et évidemment, le support de basse le permet aussi. Donc, euh, voilà. C'est un setup qui va faire deux en un. Donc, honnêtement, j'ai trouvé l'idée très bonne. Donc, euh, voilà. Maintenant, 1600 euros. Ça fait un peu mal au portefeuille. Donc ensuite, on peut retrouver, et ça, ça m'a tapé dans l'œil aussi, c'est leur fameux pédalier. Donc le pédalier VNM. Racé euh, d'une valeur du je pense qu'entre 750 euros, donc euh, qui est super performant. Honnêtement, waouh, qu'est ressenti de ce pédalier? Wow, bon, honnêtement, j'étais fou et plus les volants aussi euh, qui étaient vraiment très très jolis. Donc, euh, honnêtement, ce salon nous a fait vraiment briller des yeux. Euh, on pouvait apercevoir des beaux volants, des beaux pédaliers, des beaux setup. Euh, honnêtement, voilà, ils avaient mis le paquet, je pense. Et encore une fois, nous avons été super bien reçus. Donc euh, voilà, que du bonheur. Honnêtement, c'est fait un plaisir mais énorme à tester tout cela. Donc voilà les amis, nous avons fait le tour des stands. Et euh, voilà, c'est pas comme je voulais. Mais j'ai quand même voulu sortir cette vidéo pour vous montrer euh, ce qu'il y avait pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'y aller. Et là, bah, je suis un peu dégoûté parce que bah, voilà, tout est erroné, il euh, n'y a rien qui a fonctionné comme je voulais. Euh, certes c'est sûr que je voulais pas vous sortir une vidéo comme ça, mais bon je me suis dit pourquoi pas quand même de la sortir et vous expliquer un peu ma journée au Sim Formula Europe. Donc du coup les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce sur cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre tous mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures de Sim Racing. Allez, ciao ciao